vous ramener le contexte pourquoi on fait cette manifestation. Puisque c'est une manifestation pour les Ukrainiens, c'est un peu manifestation différente que d'habitude. Pour les autres, parfois c'est la première manifestation qu'ils font pour une cause spécifique. Alors pourquoi cette manifestation? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ici? Nous sommes 4 septembre 2014. Ce même jour, il y a un événement important qui a lieu. C'est un sommet de l'OTAN qui se tient en ce même temps moment en Pays de Galles. Dans ce grand sommet, il y a des grandes décisions qui sont en train d'être prises. Espérons-le. Les décisions qui vont probablement décider sur la suite d'événements en Europe et peut-être même dans le monde. Les décisions qui concernent la sécurité, pas uniquement des pays de l'OTAN, mais bien au-delà de ces pays-là, notamment l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, la Géorgie, les différents pays des bassins de la mer Noire, ainsi que les autres pays qui sont localisés autour de la Russie notamment. Depuis plusieurs mois, la Russie a fait l'objet de changements stratégiques. C'était le pays qui était regardé par les pays d'OTAN, dont en Pologne, en plus, en tant que pays partenaire avec qui on peut discuter et négocier. Désormais, cette situation a changé de manière révolutionnaire. Ce n'est pas tous les cas. Puisqu'aujourd'hui, la Russie, de nouveau fois,